Kubin bukan faham, bukan dengan tu ira, nampak mungkin. Bukan tu, rumah naik, nak faham rumah di, nak faham rumah di. Bukan faham kencing, nak faham rumah di. Mereka malah istri, kita faham dia, tiba di dalam nak kelima. Ini betul yang faham tu, tiba di dalam nak kelima. Bukan tu. Ini berapa orang ha? Saya macam berapa? Adi, dia enam. Jadi faham macam ini nak ayo, mungkin tak perlu kita dah tahu dia. Alat yang akan pernah mengkomunikasi kita berapa banyak. Pasti umat kerja di nasib dia mungkin dah terima. Nah ini naira, dan akan kerja di umur naira. Atau kerja di dalam perannya. Cuma kalau menerima, kita bila kali nak dan dia mulai jadi. Tak kerja nak kalau nak jadi dari ikan di kana. Ia terima semua ini. Mana ia terima semua ini? Mana mungkin sebab dia kerja yang jadi dikritik? Mungkin dah mahal di kampasan. Kau mahu kembali, kau terima, kau masih dia nak terima, dia nak bawa. Kau ini kenderan nak bawa, dia abis nak bawa. Kau ini kan yang kau nak menerima kembali. Kau ini dia kau faham ada jumpa yang dia. Kau cuci nak demi tu. Kau nak demi apa? Kau ini nak apa? Kau nak ikhlas di masa ini. Dan sekarang saya ikhlas di mana kami ini. Nako cipar pasi rana si itu gaya. Ada ke atas muda firman Yesus nako di sini. Pihak resepsi dan sanitasi di museum di rumah tapi di sisi. Mesra premier itu kita boleh terapkan. Di sini turunnya akan dia untuk prioriti untuk kita turunnya akan lagi. Sanitasi di latrice regional di Kongres. Pada fasa satu yang nampak dia base Abidjan. Avec l'équipe régionale, qui doivent être là la semaine prochaine pour un atelier que nous devons organiser à Guinée. Donc le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est un projet qui porte sur l'adaptation au changement climatique, qui est financé par le gouvernement du Canada, AMC, et qui est mis en œuvre par le CICI et l'IMC. Donc en Guinée, le projet il est exécuté dans deux jours, à Forêt-Caria, et à Moussaya et à la Soya et à Madina Oula ici dans Kindia. Et il intervient aussi dans les autres pays, dans chaque pays il intervient dans deux paysages, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Donc l'objectif du projet c'est de lutter contre le changement climatique, d'améliorer le leadership des femmes et de renforcer leur pouvoir économique. Pour renforcer le pouvoir économique des femmes, il faut passer par la formalisation des groupements qui nous réunit ici aujourd'hui. Tous les partenaires ne travaillent pas avec des personnes individuelles, mais avec des organisations bien formelles, que ce soit l'État ou bien que ce soit un partenaire financier quelconque. Les agréments que nous sommes en train de donner aujourd'hui sont des agréments qui appartiennent au groupement et non au projet. Ça va vous permettre de travailler avec toutes les organisations, y compris la nôtre, et de travailler avec l'État et avec tout le monde. Donc, ce que nous avons fait dans le cadre de cet accompagnement, c'est juste trouver quelqu'un dans son champ et lui dire « Initié, Inouali ». On a juste donné un coup de pouce. Ce qu'on leur demande maintenant, c'est de mettre ces documents en valeur, de ne pas les garder dans les valises ou dans les tiroirs, de les sortir pour vraiment profiter des subventions que l'État offre, des services de l'État et de profiter des subventions que les organisations et les partenaires offrent au groupement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et quel est le nombre de mouvements? Quel est le nombre de mouvements? Est-ce que Mengesan Apollo n'a pas de mouvements? Guinée a eu la bonne sous-préfet, mais moi, c'est une délégation de l'Ebe. Mon mouvement, c'est ça. On peut déplacer les micros. On va bien aider un numéro de téléphone. Voilà. Tu vois, quel est le nombre de mouvements? Voilà le magasin de l'État.
Anenara Madina Dwe groupement d'Irakuri. Nyala ringina na mube anu mugande sa muga sobe kuma mugala makandi patinere be sutu sesi na kamfari gira ba motanga motana ngi sotoma molinta manede ba fomo kobri belebele ba mo basika fora kona taneki momu sese bari abara fi mo ma kado ala ko muga sobe so na na kele gane ala ko gine gatore giri nanara mon éternel hantungoma, foi colline en bois, mobu, mamoran, nakamali. Mora wali, yati, yati. Hala baragiri, et narabori fait mourbe, mora, fori, et narabori sou, mourida. Walla, mora matériel et nafa. Et femme, et effalena, marina ou la sobot. Ha marina ou la bille moufara, con of dira rurita. Mirafi, for a hangelite, yari, ralatinanabi. Fanta Yane Nara, groupement dira ruri, madine dui. Moi, patinaire et noël samane. Patinaire et n'arrive fin de ceci là. À nous, ous, à nous, Issel, Issien, moi, noël samane. Et noëli à la ressarifi. Et faire heri à la régulière. Moi, c'est Sali Asuma, groupement Lalantea Madina 2. Vraiment, on est très content aujourd'hui. On remercie l'État guinéen, on remercie la préfecture de Kindia. Nous remercions également le projet CECI Guinée qui nous ont offert aujourd'hui l'agrément du groupement. Vraiment, ça nous permet d'aller auprès des institutions, des banques pour atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, vraiment, on est très content à un titre. On va faire aussi la restitution aux membres des groupements. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis Elhadj Nabil Yagouba Cissé, président de la délégation spéciale de Madinaoula. Aujourd'hui, on est à Madinaoula avec le groupement de femmes. Ces groupements de femmes qui sont au nombre de 26 ont bénéficié de leur agrément. C'est grâce à votre leadership. Je ne sais pas comment je peux exprimer ma joie. C'est une joie indescriptible. C'est parce que ce groupement-là, c'est vrai, on a travaillé avec CECI et leur accompagnement, plus les autres ONG. Les groupements ont été sensibilisés, on a assisté à des formations et on est venu, on a choisi Badekanti comme groupement référentiel. Là-bas, on a vu, on nous a donné le terrain. Et déjà, on a reçu le matériel, c'est-à-dire le grillage pour le terrain, pour que les groupements puissent travailler là-dedans. Je vous dis que c'est une joie que j'ai. Vraiment, je ne peux pas dire ce que je ressens tellement que je suis content. Et je remercie l'association, le CECI, mais à travers le gouvernement, de notre leadership, le général Mamadi Doumbouya, qui a initié des bonnes choses pour le développement communautaire. Est-ce que vous avez un message pour ces femmes qui ont bénéficié de ces agréments? Oui, ces femmes, c'est pour les encourager et leur dire de prendre soin de ces agréments. Nous avons dit tout à l'heure que ces agréments représentent leur acte de naissance. Leur acte de naissance, ça leur permet d'exister. Mais aussi, c'est leur passeport ou leur carte d'identité. Ça leur permet de frapper à la porte à tout autre partenaire pour des appuis. Et aussi, ils ont dit que c'est renouvelable pendant 3 ans. Mais avant le renouvellement, nous souhaitons que ces groupements fassent un travail et chaque 3 mois, qu'ils nous fassent le compte-rendu qu'on va remonter à l'autorité préfectorale et nous allons vérifier ce qu'ils ont fait pendant ces 3 mois-là. C'est pourquoi, d'ici 3 ans, on verra s'ils ont réalisé quelque chose. Et à côté, on a dit, celui qui ne fait rien pendant 3 ans, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a absolument rien, tu perds ton agrément. Okay. Bon, nous connaissons déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes
M. Abraham Khalil Mohamed Aïdara, directeur des micro-réalisations de la préfecture de Kindia. Ok, bien sûr, nous sommes à Madina Oula aujourd'hui. C'est pour la remise officielle des agréments à 26 groupements de la sous-préfecture de Madina Oula. Donc l'activité a commencé d'abord par l'identification de ces groupements, ensuite la formalisation. Aujourd'hui, nous sommes là pour la remise officielle. Donc cette formalisation va permettre à ces groupements d'avoir des appuis financiers, des appuis techniques. En même temps, on n'est pas sans savoir que quand on veut accompagner un groupement, il faut que le groupement soit formalisé et que le groupement ait aussi des documents juridiques. Donc c'est ce qui va permettre à l'État, même aux partenaires, d'accompagner des groupements dans nos localités. Bon, le message d'abord, c'est de les conseiller à travailler, à respecter ce qui est dans le document juridique, c'est-à-dire la date, le statut et le règlement intérieur. Donc le groupement, vous n'êtes pas sans savoir que le groupement d'abord est géré par les membres du groupement. Donc il faut, le secret c'est de respecter le contenu dans le statut et le règlement intérieur. Oui, bonjour. Je suis Abdoulaye Diallo, le coordinateur du projet NPS Forêt Guinéenne. Le projet NPS Forêt Guinéenne est un projet qui travaille dans le cadre de l'environnement pour lutter contre le changement climatique. C'est un projet qui a pour objectif de restaurer l'environnement, de renforcer le pouvoir économique des femmes ainsi que renforcer le leadership des femmes dans les jeunes du projet. C'est un projet qui couvre trois pays, la Guinée, le Ghana et la Côte d'Ivoire. En Guinée, nous intervenons dans le paysage de Madina Oula et dans le paysage de Kounoukan qui couvre les communes rurales d'Alassoya et de Moussaya. Donc nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la remise des agréments à 26 groupements que nous avons accompagnés dans le cadre de la formalisation. Parce que le projet vise à améliorer quelque part le pouvoir économique des femmes qui ne peut passer que par là. Parce que les organisations ne peuvent que travailler avec celles qui sont formelles. Donc voici pourquoi on est là aujourd'hui et tout se passe très bien, tous les groupements étaient présents et toutes les autorités présentes. Donc pour nous accompagner à la mise en œuvre de cette activité très importante pour nous. Les prochaines étapes, c'est d'aller vers les parcelles de démonstration qui ont déjà commencé d'ailleurs. Ensuite, amener les femmes à comprendre l'importance de la protection de l'environnement, les impliquer dans le cadre de tout ce qui est solutions fondées sur la nature, ainsi que les conscientiser quant à leur pouvoir, quant à leur potentiel pouvoir par rapport à tout ce qui est aspect lié à ces différentes thématiques. Voilà, le projet le consortium qui exécute ce projet est composé de l'EIMC porteur du projet et du CECI, le Centre de coopération internationale, qui est financé par le gouvernement du Canada à travers l'AMC, l'Affaire mondiale Canada. En Guinée, nous réalisons ce projet avec l'UCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et d'autres partenaires qui sont les organisations de la société civile. La durée du projet est de 3 ans. Il a commencé en 2023, il doit s'achever en 2026.